Good morgen, allez, Iden, les sous aujourd'hui le Nishmat, Esther Bat Miriam et Moshe Ben Ilaou Vanish, ainsi que l'Irfouat Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther, Hamshat Miriam Bat Rosalena et Benjamin Ben Chibiba, le Tor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Eruvin, Perek Aleph Mishnah Vav, le Chayain Shamru Gov Han Asarat Fachim, ve Rochban ve Ovian Kol Shehu, Rabbi Yossi Omer, Rochban Shlosha Fachim. Bon, j'espère que vous commencez à vous habituer un petit peu avec les principes et notions de Eruvin. Très succinctement, on s'occupe dans la première partie du chapitre à rendre un mavoï, c'est-à-dire une allée, à pouvoir permettre de porter pendant Shabbat. C'est-à-dire, je m'explique, selon la Torah, alors il y a une voie publique pour que ce soit un vrai, une vraie voie publique pour transgresser l'interdit de porter dans le Roshet Rabim à Shabbat. C'est assez complexe, il faut que ce soit quelque chose qui soit une rue qui soit toute droite, qui soit fréquentée par Shishim Ribo, par 600 000 personnes potentielles qui peuvent utiliser cette route, à pas, mais, et qui est, donc, je dis qu'elle soit aussi droite, mais foulash, mais ir les ir. Il faut que ce soit, que ça transperce d'un côté à l'autre, parce que si jamais ça tourne, alors dans certaines situations, ça peut être considéré comme une fermeture, comme un U, même si concrètement on peut passer dans la suite de la rue. C'est bon, les sujets des Rouvines, c'est assez complexe. Mais concrètement, par contre, par rapport au Mavoï, alors je vous ai dit, il y a la voie publique, et de la voie publique, on rentre dans des petites allées qui sont en général des impasses, qui sont fermées par des maisons privées, qui, chaque maison, elle a une cour, qui est fréquent, qui est elle-même partagée entre plusieurs copropriétaires, c'était comme ça l'usage que ça se passait. Donc il y a les Khatser et il y a le Mavoï, d'accord? Retenez la notion, parce qu'on parlera plus tard des Hérouv et Khatserot, à part le Mavoï. Faire le Hérouv dans le Khatser lui-même. Pour le moment, on parle du Mavoï. Et mieux que ça, on parle du Mavoï, donc de l'allée. Pour le moment, on ne s'intéresse pas à comment s'associer. On s'intéresse pour le moment à fermer le Mavoï, à fermer cette allée. C'est-à-dire, elle est ouverte sur trois côtés. Selon la Torah, c'est déjà considéré comme un domaine privé. Mais malgré tout, Khamim, ils ont dit, non, et tu vas machinalement déborder et entrer sur la voie publique, ça ne marche pas comme ça, on veut que tu fermes cet endroit. Bien sûr, tu fermes, on ne t'a pas demandé de le fermer, on t'a demandé de mettre quelque chose de symbolique qui va te rappeler que ici, ça arrête l'allée, et tu passes pas au-dessus. On a deux solutions, il y a soit la Korah, soit le Lehi. Soit la Korah, c'est la poutre qu'on met au-dessus du Mavoï, ce qui en général, d'accord, la poutre qu'on met au-dessus du Mavoï, ou soit, il y a une autre solution, c'est de mettre un Lehi, un tasseau. On avait vu dans une Mishnah plus haut, il y avait une grande discussion, c'était dans la Mishnah Gimel, Bet, où il y avait une grande marloquette, est-ce qu'il faut Lehi et Korah, ou bien Korah ou Lehi. Il y avait quelqu'un, il y avait Rabbi Eliezer qui demandait d'avoir deux Lechayim, de mettre deux tasseaux sur les deux côtés. D'accord? On a jusqu'à maintenant, ensuite, dans les Mishnah précédentes, on s'est intéressé à définir exactement la Korah, l'allure de la poutre que tu dois mettre. On avait expliqué la poutre, qu'elle soit apte à supporter une brique, parce que ça doit être symbolique, comme si c'est le début d'un mur que tu commences à construire. Là maintenant, on va s'intéresser au Lechayain Shemru, au Lechi, au pluriel, le Lechayain, les deux tasseaux que tu mets sur le côté, le bout de bois, un ou deux, selon la discussion qui est au-dessus. D'accord? Donc, comment doit se présenter ce tasseau? Quelle allure il doit avoir? Govan Asarat Tfachim. Il suffit qu'il ait une hauteur de 10 Tfachim. 10 Tfachim, un Tfar, c'est l'équivalent de 10 cm, plus ou moins. 9, 6, 11 cm. D'accord? Donc l'équivalent de 10 cm, donc 10 tfachim, je t'ai demandé d'être 1 mètre sur une hauteur de 1 mètre. Verochban, verovian, kolcheu, et sa largeur, et son épaisseur, kolcheu. Rien du tout, même ce que tu veux, un tout petit fil. Tu prends une baguette très fine, et même étroite, très étroite, et tu la mets sur le côté, ça suffit pour que ce soit un lechi. D'accord? Pour que ce soit un lechi, pour que ce soit un tasseau qui va maintenant te rappeler que tu ne dois plus déborder sur la voie publique. Ça, c'est l'avis de Tanakamna, et comme ça qu'on tient pour la halakha. Maintenant, Rabbi Yossi, Omer Rabbi Yossi nous dit, non, Rochban Shlosha Tfachim. Selon Rabbi Yossi, ça ne marche pas une largeur de rien du tout, de même un petit centimètre, ou même moins, c'est trop peu. Il faut qu'il y ait 3 Tfachim de large. 3 Tfachim, donc 3 points, 30 cm de large. Il veut que tu mettes un morceau assez conséquent pour que tu le voyes bien. D'accord? Et comme je te dis, la halakha l'établit comme Tanakama, que ça suffit de mettre même quelque chose de très fin. Très fin dans l'épaisseur et dans la largeur aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour l'année de Sarah Kol, tout cela.